Marie, et va prendre ta douche en premier, mon chat. Je suis trop naze. Non, moi aussi, vas-y, toi. Je t'en supplie, laisse-moi dormir un quart d'heure, je t'en supplie. Oh, si je bois être matinale, j'ai mal là ce matin, tu vois, c'est... Non, non, hé, vas-y. Oh, j'arrive pas, là. Je te jure, elle prend la douche après. Oui. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça commence, il est 9h, hein. Ça va sonner, ça va sonner, t'auras pas le temps de te préparer. Et une fois encore, tu vas te plaindre. C'est 8h, là. Non, c'est pas 8h, les filles, on est passé à l'heure d'été. Agathe, tu as 2 secondes pour te préparer. 2 secondes. Oh mon Dieu! Heureusement, il ne nous en faut pas trop longtemps pour être fraîche. La transformation est réussie. C'est dingue. Ça va les amis? Bonjour à tous, bienvenue. Effectivement, nous avons changé d'heure et il se trouve que j'ai donné à mon enfant son biberon à 10h30 samedi, pensant qu'il était 11h30. Voilà, donc j'ai tout compris. J'espère que vous allez bien. En tout cas, on est en direct. J'espère que vous n'êtes pas trompés d'heure et on est ravis de vous accueillir. Regardez qui est là, une jeune femme enceinte tout épanouie, que nous allons épanouir encore plus, et deux ravissantes femmes, deux jeunes femmes enceintes d'ailleurs, ce matin. Alors, un beau programme pour démarrer la semaine. On va d'abord faire du sport avec Karim, on va évidemment parler de vous qui êtes enceinte ou qui êtes en congé maternité toute la matinée, puis on va parler des enfants anxieux, comment reconnaître ces signaux, est-ce que c'est vraiment grave, est-ce que ce sont à chaque fois des pathologies, et puis surtout comment trouver des solutions, avec des témoignages vraiment très intéressants. Intense tout à l'heure. Ça va, vous avez passé un bon week-end? Afida Ancel, la sage-femme de la maison des maternelles, est avec nous comme chaque jour. Bonjour Afida. Bonjour, Afida, quel est le programme du jour? Le coussin de grossesse, ça vous parle? Ah oui, je crois que ça parle à toutes les femmes d'allaitement. Ça vous parle? Eh ben, on va apprendre à le positionner, bien s'en servir, enfin le rentabiliser parce que... Mais moi je m'en sers encore, donc je ne sais pas si c'est normal, mais docteur, mais... C'est normal. Karim Gosso, qui est là pour nous mettre en forme chaque matin. Bonjour Agathe. Bonjour Karim. Alors Karim, aujourd'hui, on continue votre série d'exercices. Oui Agathe, aujourd'hui on passe au troisième trimestre. Voilà, on a fait On a fait le premier trimestre, des exercices à faire pendant le premier trimestre, pendant le second. Il est logique que nous fassions le dernier trimestre. Et je serai avec Aurélie, enceinte de 8 mois, si elle est capable de faire ces exercices. Vous pouvez les faire. Qu'est-ce que c'est cette vanne des lundis? Je n'attaque personne, je n'attaque personne. C'est cette vanne. Marie-Père Arnaud, susnommée la blogueuse aux yeux d'or. Marie, évidemment, vu qu'on est en direct, on peut poser des questions tout au long de l'émission. Il va y avoir une multitude de spécialistes qui vont se suivre et ne pas se ressembler. Si on veut leur poser des questions et qu'ils y répondent, comment fait-on? Alors, c'est très simple. Vous pouvez envoyer un SMS au 41 555 ou bien vous allez sur la page Facebook de la Maison des Maternelles. Vous commentez le post du jour, pas de message privé, s'il vous plaît. Je ne les ai pas sur ma tablette en direct. Ou vous allez sur Twitter avec le hashtag LMDM. Oui, c'est dommage parce qu'on en retrouve toujours plein après l'émission. Et alors, du coup, on est frustrés, vous aussi. Enfin, voilà. Allez, il est l'heure de s'informer avec Benjamin Muller et ses yeux verts. Ça va ? Ouais. Comment ça va ? Bah, ça va, un mot, un geste et le caron fait le reste. Prenez le petit-déj, je crois. Attendez, vous donnez vos... Ça ne va plus, mesdames et messieurs. C'est-à-dire que vous voyez quand même qu'il y a une baisse de budget assez évidente. On est passé au pain. Voilà, il n'y a plus que 3 croissants. 10h30, le biberon, ça va, ouais. C'est difficile chez vous, les réveils. Non, je me suis trompée, je ne sais pas ce que j'ai. Le sommaire de ce journal. Au sommaire, on va parler de l'obésité et du surpoids chez les plus petits. Et puis, on va prendre de la hauteur hein, ce lundi matin. On va prendre de la hauteur en parlant art contemporain avec des petits, vous allez voir. C'est génial. Mais vous, avez compris quelque chose au changement d'heure? Parce qu'on n'a toujours pas. Non, non, j'ai toujours du mal. Ouais. Voilà, j'ai 43 ans, je n'ai toujours pas compris. Alors d'abord, une grosse pensée pour démarrer ce journal. Oui, je ne le fais pas. Hein. Attention à ce que vous allez répondre. Donc je disais une grosse pensée ce matin pour démarrer ce journal pour la comédienne Laetitia Milo qui est star de Plus belle la vie notamment. Hein, et aussi. Qui a fait de la lutte contre l'endométriose son combat à cette maladie dont elle est atteinte et qui, on le rappelle, rend les règles très douloureuses et peut compromettre la fertilité. Laetitia Milo vient de se faire opérer, c'est elle qui l'a annoncé sur son compte Twitter il y a quelques jours. L'occasion pour nous déjà de lui dire qu'on l'embrasse. D'autre part, vous invitez chez vous à revoir ou voir l'émission consacrée à cette maladie. C'était il y a quelques jours, tout est disponible sur France5.fr. Et aussi vous signalez ce livre sorti il y a quelques mois, signé Laetitia Milo, sur ce combat pour que l'on parle enfin de l'endométriose pour aider les jeunes femmes atteintes à mieux la gérer. Voilà, et on en a beaucoup parlé hein, dans cette émission et on continuera de le faire. La classe politique a-t-elle suffisamment intégré l'importance de la lutte contre l'obésité, en particulier chez les enfants? Un grand colloque sur ce sujet de santé publique est organisé cette semaine à Paris. Liberté, égalité,
obésité. Voilà le slogan des organisateurs où sera abordée bien sûr la question de la nutrition chez les petits. Mangent-ils vraiment moins bien aujourd'hui qu'hier? Comment enseigner à nos enfants l'importance du bien manger? On en parle avec notre invitée Florence Fauconnier qui va nous rejoindre, secrétaire générale du CNAO, le collectif national. Bonjour, installez-vous. Bonjour, le CNAO, le collectif national des associations d'obèses. Bienvenue dans la maison des maternelles. Merci. Alors ce grand colloque, c'est après-demain, mercredi, l'objectif que les candidats se positionnent sur ce sujet. Première question, y a-t-il plus d'enfants en surpoids aujourd'hui qu'il y a par exemple 20 ans, 30 ans, 40 ans? Alors oui, effectivement, il y a de plus en plus d'enfants en surpoids et obèses. Et l'obésité augmente avec l'âge. C'est-à-dire que, par exemple, en 2013, on a compté 12% de la population en grande maternelle en surpoids et 3,5% en obésité. La différence entre surpoids et obésité? Alors, c'est l'indice de masse corporelle. D'accord. Le rapport de du poids sur la taille au carré. Et à partir de 30, on est en surpoids. À partir de 25, on est en... On est en surpoids, 30, on est obèse. Et, alors, à qui la faute? Alors, plus. La cause principale, c'est le déséquilibre énergétique entre l'apport calorique et les dépenses. Donc ça, c'est facile à comprendre. Donc on fait moins d'exercice, on en a parlé aussi, et on mange plus. Tout à fait. Mais il y a aussi un facteur héréditaire qu'on connaît moins, c'est-à-dire qu'un enfant qui a un des deux parents obèse a 40% de plus de chances d'être obèse à l'âge adulte, et si les deux parents sont obèses, il a 80% de chances d'être adulte. Et là, donc on voit l'importance du père, c'est pas... Oui, c'est pas que la mère. On met beaucoup de charges sur la mère. Mais... Et donc, à partir de la fin de la maternelle, à peu près que les problèmes de poids arrivent? Oui, en fait, on décèle à peu près à partir de 3 ans. Avant, on ne parle pas ni de ce surpoids ni d'obésité. Et c'est important aussi de. Vous pensez que les parents qui nous regardent, ils peuvent commencer à parler de ce sujet avec les enfants dès cet âge-là, dès 3-4 ans? On peut commencer à dire. Une caméra qui est tombée, c'est pas grave. Il n'y a pas eu de blessé. C'est pas comme si on en avait besoin dans une émission de télé. On peut commencer à parler des 3 ans, 4 ans à ces enfants de l'importance de bien manger pour ne pas grossir? En fait, c'est un peu violent. Oui, c'est un peu tôt. Surtout, il ne faut pas fustiger l'enfant, il ne faut pas le culpabiliser. Il faut inclure les deux parents, c'est important, que ce soit autour de la famille. Et on peut simplement expliquer à l'enfant qu'il faut avoir un apport suffisant pour pouvoir bouger, mais pas trop, pour pouvoir... enrayer la machine, parce qu'évidemment, quand on est en surpoids d'obésité, on pense à bouger. Alors, vous en appelez à la classe politique, vous voulez qu'ils se positionnent sur ce sujet. Est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment à la classe politique de le faire? Moi, j'ai plutôt l'impression, occupez-vous de vos affaires, surtout en ce moment, et laissez ces sujets-là pour les gens plus responsables et sensibilisés à ces sujets-là, non? Vous pensez vraiment que ça passe par la politique? Ça passe par la politique parce que c'est eux qui impulsent ou pas, par exemple, le plan national nutrition santé. Dont là, on participe à la nouvelle version qui va commencer cette année. Et c'est eux qui impulsent ou pas l'importance de s'occuper de l'obésité. Et c'est ce qui est en train d'être fait, parce que là, par exemple, il y a une nouvelle expérimentation, et le CNAO s'est battu pour, qu'il y ait une prise en charge pluridisciplinaire pour les enfants de 5 à 12 ans. Ça va commencer à la fin de l'année 2017 jusqu'en fin 2019. Avec une prise en charge qui est remboursée par la Sécu, où il y aura diététicienne, par la classe politique pour les dynamiques. Sur votre site, vous relayez des articles sur le sujet, comme par exemple celui-ci qui nous a beaucoup intéressé, l'histoire d'un petit garçon qui a 9 ans, pèse 70 kilos, et ses parents disent dans l'article, on ne savait pas qu'il était obèse. Ça, c'est un problème fréquent? On n'est pas forcément au courant? On n'a pas forcément conscience du problème? Oui, parce que même si l'OMS a classé l'obésité comme une maladie en 1997, les parents n'ont pas toujours la notion que l'obésité est une maladie. Donc ils n'ont pas la démarche d'aller voir leur médecin généraliste pour ça. Et c'est donc important que le médecin généraliste puisse détecter des ruptures de courbe au niveau du poids et alerter les parents, toujours évidemment sans les culpabiliser ni fustiger l'enfant. Alors on a beaucoup de questions concrètes qui nous ont été envoyées. Oui, déjà, en 5 minutes, déjà, ça arrive quand sur les réseaux concrète, sociaux. Quand on dit Père Arnaud, Marie, je suis là. Alors, on a Manon qui est sur Facebook et qui nous dit « Ma fille a 14 mois et est au-dessus de la courbe de croissance. À quel âge doit-on s'inquiéter d'un surpoids éventuel ?» Vous parliez de 3 ans, mais est-ce qu'avant, il y a des signes qui peuvent inquiéter ou pas ? Alors, il y a des facteurs déterminants, comme les parents, l'hérédité, mais par contre, non, à cet âge-là... il est urgent de rien faire, parce qu'il faut voir comment aussi l'enfant grandit. Donc il faut surveiller, évidemment, pas gaver les biberons de choses futiles. Mais, sûrement pas de régime à 14 mois. Quoi. Ah non, non. D'autant que ça coïncide avec la marche. Souvent, les enfants sont un peu avant la marche. Oui, donc là, vraiment, il n'y a aucun,
aucun souci à ça. Ils sont comment les enfants avant la marche ouais. Un peu, hein, ouais, un peu. Plus de joufflu, quoi. On a une suite de Mélanie qui dit « Dur de maîtriser la nourriture des enfants quand nous mangeons, nous, n'importe quoi. Nous avons commencé la diversification, donc régime pour nous. » Et ça me permet un petit peu de rebondir sur le message de Fabienne qui dit « Je dois réadapter l'alimentation de ma fille qui est en surpoids. » Et du coup, je le fais pour toute la famille. Comment est-ce qu'on peut éviter que le régime lui attire les foudres de la fratrie et de toute la famille? Comment est-ce qu'on communique là-dessus? En fait, d'abord, on ne parle pas de régime, on parle d'équilibre alimentaire. Tout ce qui est régime hypocalorique ou hyperprotéiné, nous, on se bat pour parce que c'est des faiseurs d'obésité. Ouais. Donc, c'est vraiment un équilibre alimentaire à apporter à la famille et tout le monde en bénéficie. Donc, c'est plutôt une bonne chose pour tout le monde. Elle rend service à ses frères et oui. sœurs. qu'on l'amène positivement. Voilà. On a Ludivine qui dit « À partir de quel âge peut-on craindre que les problèmes de poids ne perdurent ?» À partir de quel moment on se dit vraiment là, c'est des comportements qui peuvent perdurer? Oui, en fait, si l'enfant est obèse avant la puberté, il a entre 20 et 50% de chances d'être obèse à l'âge adulte. Mm-hmm. Si c'est maintenu ce surpoids ou cette obésité après la puberté, il a entre 50 et 70% de chances d'être obèse adulte. Donc c'est vraiment urgent de s'occuper d'eux. Dans l'enfance. Ouais. De façon très jeune. Karine nous dit « Je récupère ma fille à 11h50 à l'école et nous avons 15 minutes pour rentrer à la maison. Elle meurt de faim après cette matinée d'école. Comment lui, enfin, quoi lui donner, que lui donner comme collation pour la faire patienter ?» Parce que c'est vrai, alors, moi je vois des enfants avec des paquets de chips à midi, c'est juste pas possible. Qu'est-ce qu'on peut donner aux enfants pour patienter sans que ça soit nocif? Une pomme, un bout de pain, un fruit, mais, un fruit ou un laitage. Mais là, j'ai envie de dire que c'est l'heure de déjeuner, donc on passe à table. Et midi et quart, je pense que c'est ça à peu près. Midi, c'est une bonne heure pour passer à table, donc il n'y a pas de collation particulière. On n'est pas toujours obligé de grignoter. Ça fait partie des limites qu'on pose aussi. L'alimentation, c'en est une, comme pour dire merci, bonjour, voilà quoi. En gros, c'est ce que vous préconisez. Oui, il faut garder un équilibre, varier, rien interdire, mais le donner en quantité limitée dans la semaine. Merci beaucoup. Merci. Je propose qu'on supprime un peu ces pains au chocolat. Qu'on passe aux fruits. Il y a des Tous ces sucres rapides, là, ça va aller. Allez, hop, des fruits. Merci beaucoup, Florence Fauconnier. On suivra donc ce colloque mercredi. Merci. Alors, Benjamin, une histoire assez incroyable en provenance de Saint-Martin, dans les Antilles, maintenant. C'est une histoire qui commence mal, mais qui se termine bien. L'histoire d'un nouveau-né, abandonné à sa naissance il y a quelques mois par sa maman biologique. Elle l'abandonne et le confie à la sage-femme qui vient tout juste de l'accoucher. L'enfant va être baladé de services sociaux en placement divers. Pendant ce temps-là, cette sage-femme va entamer les démarches pour adopter elle-même ce petit. Elle va d'abord avoir une autorisation, puis un refus, autorisation, refus, etc. Cette sage-femme ne va pas baisser les bras et après plusieurs mois de combat, elle vient de recevoir la bonne nouvelle, l'adoption est validée. Elle va donc pouvoir enfin récupérer ce petit. Une belle histoire de sage-femme qui se bat pour un bébé et qui en rappelle une autre, dans un autre registre, celle du réalisateur du film, vous voyez venir, sage-femme Martin Provost, qui était ici mercredi dernier et qui nous expliquait pourquoi il avait fait ce film et comment cette sage-femme, la sienne de sage-femme, l'avait sauvé grâce à un don du sang, rappelez-vous. Il fallait me changer mon sang, n'en trouvait pas. Mon père a couru toute la ville pour essayer de trouver du sang. Il est revenu bredouille, donc j'imagine déjà dans quel état j'étais pendant toute cette nuit-là. Et on s'est rendu compte au petit matin que la sage-femme qui m'avait mis au monde avait le même rhésus que moi. Et c'est elle qui a fait ce qu'on appelle une exsanguinotransfusion. Ça dure 4 heures, enfin c'est un gros truc, j'ai une cicatrice, enfin voilà. Et c'est elle qui est allée me déclarer à la mairie. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, j'ai demandé un acte de naissance, je ne savais pas son nom, j'essaie de la retrouver. Les archives ont été détruites. Et sur l'acte de naissance, il y avait marqué déclaré par Yvonne André, elle s'appelle Yvonne André. Qu'est-ce que vous faisiez là? Je ne sais pas si on vous a vu. Je ne sais pas, j'ai fait des petits bruitages. Je ne savais pas du tout que j'étais à l'antenne. Bien sûr, comme on était en direct. Autre histoire incroyable. Sage-femme à voir encore en salle aujourd'hui. Ben oui, bien sûr. Il faut le dire parce que c'est un film qui évidemment correspond à cette émission. C'est n'importe quoi. Autre histoire incroyable, donc disais-je. Qu'est-ce que vous avez bossé, Benjamin? C'est incroyable, toutes ces histoires incroyables. Cette fois, c'est l'histoire d'un enfant de 4 ans qui sauve sa mère grâce à son portable, c'est ça? Ça s'est passé il y a 15 jours à Londres. Un petit garçon, Roman, il a 4 ans, découvre sa mère allongée et inconsciente au sol. Il percute tout de suite, il a l'idée d'appeler les urgences, du coup il va aller prendre le téléphone de sa mère, il a la présence d'esprit de débloquer le téléphone avec son empreinte digitale, il se sert de Siri, le fameux assistant vocal, vous savez, pour lui demander quel temps il va faire demain, etc. Là, lui, il lui dit, appelle-moi les urgences s'il te plaît, il a 4 ans, donc il est assez connecté, hein, cet enfant. Siri appelle donc les urgences et la suite, la voilà, elle a été mise en ligne par les services d'urgence londoniennes. Cet appel a permis de sauver cette maman. Hello, please, what is your emergency? Hello, I'm Roman. Okay, where's your mummy? She's at home. Can you go and get mummy? She can't, she's dead.
You said mummy was there. What do you mean she's dead? It means that she's closing her eyes. Oui, c'est horrible. Non, bah, c'est vrai que cet extrait est un peu glauque, mais l'idée, c'est qu'il l'a sauvé. Mais non, mais Benjamin, du lundi matin, là. C'est-à-dire que moi, je vais chialer, en fait. Non, il l'a sauvé, je vous dis. Comme quoi, des enfants qui très tôt savent se servir des portables, c'est bien aussi. Voilà, non, mais cela dit, il y a un truc à retenir de ça, c'est Siri, c'est pas mal. Parce que moi, j'essaye de faire apprendre à mon fils d'appeler les urgences, mais pour le moment, il est trop petit. Alors que Siri, c'est pas mal. Les urgences. Le problème, c'est qu'il peut aussi dire j'ai envie de commander une pizza, et là, ça vous coûte 20 euros. C'est ça. On va éveiller nos papilles artistiques, si vous le voulez bien, surtout celles de nos enfants, avec une plongée au sein du Palais de Tokyo. Le Palais de Tokyo à Paris, le temple de l'art contemporain, à deux pas du Trocadéro et de la Tour Eiffel. L'art contemporain, c'est une notion qui peut effrayer, qui peut faire fuir, mais bien expliquée et surtout parfaitement mise en avant, comme dans ce musée, c'est surtout une source exceptionnelle d'émerveillement pour les petits. La preuve avec ce reportage signé Mathieu Abasque et Thomas Edoux, qui nous présente les ateliers Toc Toc, 2 heures de découverte pour les 5-10 ans. Regardez. Qu'est-ce que c'est le Palais de Tokyo ? Ça, je n'ai jamais su. Donc, au Palais de Tokyo, on est dans un musée. Zé. Exactement. Kelly et Jules, 6 ans, font leur première incursion dans le monde de l'art contemporain. Vous avez jamais entendu ces mots, contemporain ? Qu'est-ce que ça veut dire, à ton avis, contemporain ? D'aujourd'hui. Exactement. Top. D'aujourd'hui. Ici, les artistes qui exposent sont tous les artistes vivants, les artistes d'aujourd'hui. Alors, on va aller par là, venez. Ces petits explorateurs vont découvrir pendant une heure les installations d'Abraham Poincheval, un artiste marseillais pour qui la création est une aventure extrême, comme par exemple s'enfermer pendant plusieurs jours dans ce rocher ou même dans un ours empaillé. Et là, il a décidé de créer une maison en forme d'ours. Il avait décidé, pendant quelques temps, de ne pas bouger. Regardez. Voilà, venez, on va les voir. Regardez, on les voit ici. Voilà, je vous présente Abraham Poincheval, il est là. On a affaire avec des œuvres immersives, assez surprenantes. Et souvent, l'enfant, il est beaucoup plus ouvert que l'adulte vis-à-vis de l'art contemporain. C'est-à-dire, il n'est pas dans cette position de comprendre à tout prix. C'est ce que l'artiste a essayé de faire. Mais il s'inspire souvent, voilà, pour réfléchir à autre chose. On va s'installer. Après la visite, place à la pratique. Les enfants font des collages pour fabriquer leur kit de survie en s'inspirant de l'exposition du moment. J'ai imaginé que je m'enfermais dans, là-dedans avec tous ces objets. Et je m'enfermerais pendant une semaine en train de rouler comme une voiture. Les jeunes créateurs repartent avec des idées plein la tête et leur production sous le bras, des œuvres qui garniront peut-être dans quelques années les plus grands musées d'art contemporain. Ça me plaît bien. Alors la prochaine performance s'appellera « Sous le regard des machines pleines d'amour et de grâce ». À partir du 8 mai, il est question qu'il couve un œuf. Vous vous rendez compte ? À l'art contemporain, ne critiquez pas. Non, je suis juste... Ben non, mais de toute façon, c'est fait pour ça. C'est fait pour s'éveiller, pour s'intriguer, pour surprendre. Voilà. L'art. Merci, Benjamin, pour ce journal artistique riche et vraiment à la pointe de l'actu. Votre enfant est anxieux et vous voulez le soulager. Bon, on vous comprend. Posez vos questions, puisque nous allons évoquer le sujet, et même plus que ça, au 41-555. Vous pouvez nous envoyer un SMS à tout moment pendant l'émission. Vous pouvez aussi commenter la page Facebook sous le post du jour de la Maison des Maternelles. Et puis bien sûr, vous avez Twitter avec le hashtag LMDM. Tout est dit, vous pouvez poser vos questions et maintenant, on va essayer d'y répondre surtout. Maux de ventre inexpliqués, troubles du sommeil, besoin d'être rassuré en permanence. C'est souvent ainsi que les enfants manifestent leur anxiété. Alors ce sentiment d'insécurité existe déjà dès la naissance, hein, chez certains bébés, au moment des pleurs du soir, par exemple. On a tous vécu ça au moins une fois. En grandissant, ça peut devenir un tout petit peu envahissant. Alors, comment expliquer cette anxiété chez les plus jeunes? Comment les rassurer? Et puis, à partir de quand faut-il consulter? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec nos invités ce matin. D'abord, Marine. Bonjour, Marine. Bonjour, merci Agathe. D'être avec nous. Vous avez 4 enfants et c'est le 3e, Adrien, qui a 10 ans, qui montre des signes d'anxiété depuis un petit moment, hein, puisque ça a démarré, il avait 8
tout 9 mois, fameuse période charnière chez les bébés. Donc vous allez nous expliquer ce que vous avez compris, ce que vous avez mis en place. Merci de venir nous voir depuis Bar-le-Duc, Marine. À vos côtés, Cindy. Bonjour Cindy. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes enceinte de 4 mois. Très belle femme enceinte. Votre fille aînée, Maëline, a 5 ans. Alors elle aussi, c'est une petite fille angoissée. Elle n'est pas triste pour autant, il faut bien faire la différence, mais vous allez nous expliquer en quoi ça se manifeste au jour le jour. Et puis on a le grand plaisir d'accueillir une nouvelle fois le professeur Philippe Duverger. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre, chef du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CHU d'Angers. Vous êtes l'auteur de « Mes parents sont fragiles » aux éditions Anne Carrière. Vous étiez venu nous voir pour nous parler des enfants qu'on élevait un peu sous cloche. Et vous avez beaucoup marqué cette émission. On se sert tous un peu dans l'équipe de ce que vous nous avez dit. Donc on est vraiment content que vous veniez nous éclairer ce matin. Alors Marine, déjà bébé, donc Adrien, s'est révélé être anxieux. Comment est-ce que ça se manifestait concrètement? C'était un enfant qui dormait énormément, plus que la normale. Il mangeait, il dormait. C'est un souvenir, c'est le souvenir qu'on en a. Et le vrai... Ce qui nous a vraiment mis la puce à l'oreille, j'ai un mari qui est... dans l'armée, qui s'en va donc régulièrement, qui est parti pour les 8 mois d'Adrien, qui est revenu pour ses 1 an, et qui a retrouvé le bébé qu'il avait laissé. Adrien s'est mis en stand-by. Aucune évolution. C'est-à-dire, il a grandi, il a pris du poids, mais il ne s'est pas mis assis, il ne s'est pas relevé. Et en fait, au retour de son papa pour ses 1 an, il a fait tout ce qu'il devait faire comme progrès en 15 jours. Mais vous en aviez parlé au pédiatre, j'imagine? Oui, j'en ai parlé au pédiatre qui m'a dit de ne pas m'inquiéter pour le moment, de voir au retour du papa et qu'il serait temps de s'inquiéter vraiment si au retour du papa, l'évolution ne se faisait pas, mais qu'il avait déjà vu des cas. Et là, tout à coup, donc, le papa rentre et, en 15 jours de temps. Et en 15 jours, il s'assoit, il se met debout. C'est dingue. Pardon, je suis un peu spontanée, mais Cindy, alors Maëline, ça a été aussi un bébé anxieux? Oui, petite, c'est vrai qu'elle dormait vraiment par fragmentation. Elle dormait sur des coups de 3 heures, elle se réveillait tout le temps. C'est vrai qu'on a eu un climat assez conflictuel avec son papa. On s'est séparés très très tôt à la naissance de Maëline. Et voilà, la suite a été vraiment très très difficile pour nous. C'est-à-dire que quoi, après du coup vous êtes séparés du papa et vous êtes allées habiter toutes les deux? On a eu beaucoup d'habitats différents parce qu'effectivement, en région parisienne, c'est très difficile de trouver un logement, donc, surtout avec une petite fille en bas âge. Donc voilà, effectivement, on a été un peu ballonnés un peu partout et du coup, effectivement, ça a été très difficile pour elle. Donc, et ça se manifestait essentiellement par le sommeil, donc? Alors, par le sommeil au départ. Après, on est très fusionnelles toutes les deux, donc... vraiment la peur de la séparation. Donc voilà, on était constamment... C'est-à-dire que dès que vous la déposiez à la crèche, par exemple, c'était... Effectivement, les hurlements. C'était les hurlements et voilà, de gros stress pour la séparation. Alors, professeur Philippe Duverger, c'est quoi l'anxiété? Ouais, déjà, démarrer par, peut-être par ça. Ouais. Peut-être bien être attentif à tous ces mots, parce qu'il y a le mot peur, anxiété, angoisse, panique. D'abord, il y a la peur. La peur, on a tous peur de quelque chose, on a tous eu peur et c'est quelque chose de normal. Faut pas éliminer la peur, ça fait partie de la vie. Ça sert à quelque chose, presque. Bien sûr, c'est un signal qui nous dit attention. Faut pas s'approcher de la bouilloire qui boue, du ravin, de la voiture qui démarre, etc. Donc la peur, c'est naturel, c'est normal. L'anxiété et la peur, elle a un objet. Hein, on a peur du noir, on a peur des monstres, on a peur. Voilà. L'anxiété, c'est plutôt un état qui est régulier, qui est quelque chose qui envahit l'enfant et qu'il n'arrive pas à s'en dégager, hein, et qui est là de manière chronique. L'angoisse, c'est plus par crise, séparation, rupture, moment difficile, nouveauté ou absence, enfin voilà. Et puis la panique, là c'est l'effroi, là c'est quelque chose qui sidère. C'est une question de degré, mais c'est une question aussi de qualité. C'est pas la même chose, hein. La peur, on la rationalise. L'anxiété, on ne sait pas trop d'où ça vient. Et alors l'angoisse, c'est quelque chose qui est indicible. Mmh. Donc on voit bien que ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais un bébé peut être anxieux aussi, je veux dire, on le disait avec Marine, vers 8-9 mois déjà. Ah oui, même avant, il peut avoir des moments d'anxiété. Tous ces moments où il ne comprend pas ce qui se passe autour de lui et qu'il n'a pas les éléments pour savoir de quoi il retourne. Et c'est vrai qu'il y a toute la question du familier et de l'étranger. L'angoisse de l'étranger du 8e mois, hein, 7e, 8e mois. Oui, on passe du sourire béat à tout à coup une espèce de petite méfiance. Quelque chose qui n'est pas habituel. Un étranger, un visage qu'on ne connaît pas,
un clown. On peut avoir peur d'un clown, hein. C'est-à-dire que quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas. Et là, l'enfant est dans un moment où en effet, il est déséquilibré. Il est dans une incompréhension. Et c'est là toutes les qualités de la mère, de l'entourage pour dédramatiser, rassurer, mettre des mots, puis faire au fond que l'enfant surmonte ça. Mais on voit bien que ça, c'est des passages obligés, hein. Alors, on va voir justement comment se manifeste l'angoisse, et enfin, en tout cas l'anxiété chez les tout-petits. Marine, pendant sa première année, alors Adrien, il s'est mis à faire des gestes un peu particuliers qui vous ont interpellé. Oui, alors il tripotait ses doigts comme ça et il battait des bras. Il battait des bras, ça faisait comment? Comme ça, comme s'il volait. Et en fait, comme mon mari est pilote, ça nous faisait rire, on disait « il veut voler comme papa ». Voilà, c'était la petite histoire et en fait, ça, après coup, on a commencé à se dire qu'il y avait... Vous avez consulté? On a consulté. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Et puis, on nous a dit que c'était un enfant, effectivement, c'était des signes d'anxiété chez l'enfant et qu'il fallait qu'on le surveille, mais qu'en tant que parent, très présent, et qu'il ne fallait pas non plus qu'on prenne les choses trop à cœur. Et quand il est entré à l'école, alors du coup, est-ce qu'il a gardé ce type de manie? Terrible. C'est même monté d'un cran, puisque finalement, c'est beaucoup de nouveautés à l'école. Et donc, parfois, les maîtresses me disaient, on est en train de lire une histoire, Adrien se lève, tourne en rond dans la classe, en regardant le sol, et puis fait ses petits mouvements de bras. Quand on lui demande, mais qu'est-ce que tu as, Adrien? À quoi tu penses? À rien. Et il avait ce besoin pour évacuer cette pression, ce stress, parce que tout ce qui était nouveau en classe pouvait l'angoisser. Il y avait vraiment des... Je sais pas, par exemple, à quelle occasion est-ce que ça se manifestait? Le carnaval. C'était un enfer pour lui. Ah oui. Le matin, les enfants arrivaient déguisés. Lui, il refusait de se déguiser, mais venait quand même en classe. L'après-midi, je ne le mettais pas à l'école. Il ne défilait pas. Une angoisse du déguisement. Et ça ne le dérangeait pas de ne pas être déguisé au milieu de tous les enfants déguisés. Mais alors, il ne fallait pas que je lui demande de s'intégrer, finalement. Et comment est-ce que vous l'expliquez, alors, cette angoisse? On nous a expliqué qu'il avait peur de ne pas se reconnaître, lui, en étant déguisé en autre chose. Et que c'était un enfant... Oui, il perdait tous ses repères finalement en n'étant plus lui-même. Mmh. Voilà. Ouais. Puisque en clown, il n'était plus Adrien. Alors Cindy, depuis quelques temps, l'anxiété de Méline s'exprime aussi la nuit. Oui, alors Méline grince énormément des dents. Je m'en suis vraiment rendu compte ces dernières semaines parce que mon conjoint est parti en déplacement sur Toulouse, donc du coup elle dormait avec moi. Et je me suis rendu compte qu'effectivement elle dormait la mâchoire très serrée, très contractée, et qu'elle grinçait des dents continuellement chaque soir, la nuit. Et c'est toujours difficile les moments de séparation, encore aujourd'hui? Alors c'est moins difficile qu'avant, mais voilà, on a toujours ce caractère très fusionnel, c'est-à-dire si on va chez des amis qu'elle n'a pas vus, elle va rester constamment collée à moi. Elle ne me quittera pas, elle restera limite assise sur mes genoux toute la soirée. Et ça, c'est ça, constamment. Elle a vraiment du mal à sociabiliser avec les autres. Et aussi, elle a du mal à gérer les conflits. Et elle a du mal à gérer les conflits. Effectivement, les disputes, quand on commence à hausser un petit peu le ton, Méline nous explique qu'il ne faut pas se disputer. Quand on a tendance à jouer un petit peu fort, on fait un petit peu la bagarre, Méline prend peur parce qu'elle pense qu'effectivement, voilà, ça va virer à une dispute très, très forte. Voire à quelque chose de beaucoup plus conflictuel que ça. Alors parfois, les parents peuvent passer à côté des signaux, je ne sais pas, battre des ailes, effectivement, on peut dire « Ah, oh, c'est rigolo, il veut faire comme son papa ». Donc il y a les pleurs, les grincements de dents, les petites manies. Quelles autres façons les jeunes enfants peuvent-ils exprimer leurs angoisses? Il y en a plein. Il y a d'abord le sommeil, mais vous avez parlé toutes les deux de sommeil. C'est intéressant, vous n'avez pas parlé d'anxiété, mais d'angoisse. On voit bien qu'on a un degré de plus, hein. Il y a une belle figure de l'angoisse, je trouve, c'est Alice au Pays des Merveilles, où elle tombe et elle ne peut s'accrocher à rien. C'est pour ça que le fusionnel, hein, on voit bien que c'est dans l'angoisse de séparation, c'est qu'il faut se raccrocher à quelque part. Sinon, c'est le vide, c'est l'angoisse, c'est la chute. C'est le sommeil, les cauchemars, les terreurs nocturnes. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des gestuels aussi qui peuvent... Oui, alerter. Des enfants qui sont toujours dans une instabilité. On voit bien, ils sont anxieux. C'est-à-dire la jambe qui... La jambe impatiante, ouais. les trémulations, les sueurs, les événements vasomoteurs. En préparant cette émission, vous parliez aussi de la petite fille qui fait comme ça avec ses cheveux. C'est ça, ce qui s'appelle la trichotillomanie. Mm-hmm. Ou alors l'onychophagie, ça veut dire simplement se ronger les ongles. Oui. C'est un peu plus grand. Mm-hmm. L'instabilité, d'être partout et d'être nulle part. Le besoin d'être rassuré tout le temps. Et puis certains enfants vont au contraire être très repliés. C'est l'inhibition. Hein, on se met dans un coin, on ne bouge plus. Comme ça, au moins, on est tranquille. Petit. On se fait tout petit. C'est vraiment très varié. Ce qui est très important,
le signe le plus important, c'est qu'au fond, c'est quelque chose qui montre que l'enfant ne surmonte plus. Ça le déborde, ça l'envahit, ça le dépasse. C'est là que c'est embêtant. Alors pour aider Camille à surmonter son anxiété, sa maman a décidé de lui faire faire des séances de sophrologie et ça marche. C'est un reportage de Marie Goran. Émilie vient chercher son fils Camille, 4 ans, à la sortie de l'école. Est-ce que tu aimes aller à l'école ? Non. Non ? Est-ce que tu te souviens quand tu pleurais beaucoup au début ? Oui. Tous les matins, la séparation est un moment difficile pour le petit garçon. Alors ce qui est bizarre, c'est que quand on se sépare pour très longtemps, tu pleures même pas. Tu t'en souviens, l'été quand tu pars en vacances. Alors que quand on va à l'école et que tu sais qu'on se retrouve le soir, tu pleures. Camille, c'est un petit garçon qui est plutôt bon vivant, qui a beaucoup de joie de vivre. C'est un garçon qui, je pense, est... Heureux. Comment ? Heureux. Heureux. Et en même temps, Camille est un petit garçon qui pleure assez fréquemment quand on doit se séparer. C'est généralement surtout les séparations le matin quand on va à l'école. Et là, on arrive à une période de l'année où, pour des activités sportives aussi qui ont démarré dès septembre, le seul qui pleure encore aujourd'hui, c'est notre petit Camille. Pour lutter contre les angoisses de son fils, Émilie a décidé d'essayer la sophrologie. Bonjour Camille. Bonjour Émilie. Bonjour Sophie. Comment allez-vous ? Bien, merci. Entrez. Après la séance. Aujourd'hui, c'est sa deuxième séance. Comment tu... Inspirée par diverses pratiques comme le yoga et l'hypnose, la sophrologie permettrait de reconnecter le corps à l'esprit. Par des exercices ludiques, Camille prend conscience de son corps. On va se libérer de toutes les tensions de la journée. On inspire très fort. Et on tape, 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 tape. Là, on évacue les tensions, on libère les mauvaises pensées, les mauvaises actions de la journée, les peurs, les jugements, on libère, on tape et on s'arrête. Ce qui est très important, c'est ce moment de pause entre les exercices pour prendre conscience de ce qui se passe dans son corps. On ressent dans le corps peut-être le cœur qui bat un petit peu vite, ça pétille un peu dans les doigts, ça bouge dans tout ton corps. Tu sais ce que c'est une cible ? Normalement, on prend des flèches pour tirer dans la cible. Hein ? Alors, ce qu'on va faire, c'est que comme j'ai pas de flèche là, on va mettre toutes tes peurs dans un petit papier. Maman aussi, les anxiétés, les appréhensions avant de venir à l'école ou au sport, on les met dans le papier. On fait une boule. Alors là, on rentre dans le vif du sujet. Camille a peur le matin de se séparer de sa mère. Donc là, on le met face à sa peur. On met cette peur dans ce petit papier sous forme de boule pour le jeter dans la cible en se disant « Je vais la pulvériser, je vais l'exploser, je ne l'ai plus en moi, elle sort de mon corps. » On inspire très fort, on va pulvériser ta peur. Hi, bravo ! Et si tu fermes les yeux, est-ce que tu ressens que ton bras est complètement léger par rapport à l'autre ? J'expire pour sentir après, en fermant les yeux, le bien-être que ça procure de ne plus être angoissé, rempli de cette peur ou de l'idée de la peur. Est-ce que là, tout de suite, tu peux prendre juste un temps pour ressentir ce que ça fait dans ta bouche et dans ton visage d'avoir fait bouh ? Oui. Ça fait quoi ? À partir du moment où il y a une anxiété, l'enfant n'est pas dans le ici et maintenant, il n'est pas en pleine conscience de son corps, donc son mental prend le dessus avec ses peurs et ses perceptions. Donc le fait de faire des exercices de respiration, on le remet dans l'instant présent. Le fait de contracter le corps et de libérer les muscles, on libère les tensions pour que le vide se fasse et pour ensuite le remplir de sérénité et de calme. Relâcher les bras le long de ton corps pour ressentir que là, tu es un peu fatiguée. Pour que Camille sorte indépendant, autonome de cette situation, il est nécessaire qu'il retrouve un cocon de sécurité avec sa mère et en ayant des moments de complicité partagés ensemble, de générer un rituel tous les matins, ça va lui permettre de se sentir en sécurité afin qu'il puisse aborder sa journée sereinement. À te détendre. À te détendre. À te détendre. Pour être plus calme aussi. À détendre.
Ah, tu vas détendre tes copains? Oui, et aussi ma sœur. Et aussi ta sœur. C'est ta maîtresse qui va être contente. Ouais, hein? Et moi aussi détendre ma maîtresse. Les 4 séances de sophrologie restantes permettront peut-être à Camille de dire au revoir et pour de bon à son anxiété. Et on le disait pendant le reportage, c'est fou, professeur, comme les enfants sont ouverts à ça. Oui. Dès qu'on leur demande de respirer... Bien sûr, ils aiment bien. C'est une manière un petit peu d'exprimer des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'exprimer. Je crois que c'est très très bien. Bon alors, professeur, avoir un enfant anxieux, c'est grave, docteur, ou pas ? C'est pas grave. Et encore une fois, l'anxiété, on y a tous droit, hein, depuis la naissance jusqu'à la mort, avec les angoisses de mort. C'est vraiment, on y a tous droit. Ce qui est embêtant, c'est quand en effet ça submerge l'enfant, quand il n'est pas capable justement de le vivre suffisamment bien et que ça l'empêche de faire des choses, d'aller à l'école, d'avoir des copains, de bien travailler. Ça, là oui, c'est embêtant. Et enfant anxieux, parent anxieux ? Oui. Généralement. Oui, oui. Et d'ailleurs, l'anxiété, elle se lit, enfin moi dans les consultations, c'est comme ça, elle se détecte dans la relation avec les parents. On voit bien comment les parents réagissent. Quand une maman demande toutes les 5 minutes, ça va, t'es sûr, tout va bien, c'est vrai qu'il y a un moment donné. Ou alors, t'inquiète pas, hein, t'inquiète pas. Quand on a dit 10 fois, t'inquiète pas, mais l'enfant, il s'inquiète. Pourquoi elle me demande, hein? Je veux dire que voilà, les parents anxieux, évidemment, transmettent une anxiété à leurs enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils sont responsables, mais bien évidemment que ça participe à la culture familiale. Alors Marine, vous êtes anxieuse de nature, et vous, du coup, vous êtes posé des questions sur ce que vous auriez pu transmettre. Oui, je me suis demandé si enceinte, j'avais reçu un choc émotionnel particulier, si, ou même tout simplement mon anxiété. J'étais une petite fille anxieuse, je suis une adulte anxieuse. Est-ce que j'étais... pas assez sereine pendant ma grossesse, je ne savais pas trop. Vous n'avez pas eu de choc, vous n'avez pas rien. Eu... Rien. Donc vous ne l'expliquez pas vraiment aujourd'hui? Non, parce que j'ai 4 enfants, et des 4, c'est le seul qui soit autant anxieux. Ils le sont tous un petit peu. Ils ont l'envie de bien faire, plus qu'être anxieux. Mmh. Mais Adrien, c'est vraiment une anxiété qui évolue en grandissant, mais... Cindy, est-ce que vous êtes vous-même anxieuse ? Moi, je suis quelqu'un de très, très anxieuse, effectivement. Je parle avec les mains, je suis tout le temps en train de me tréfouiller, je mange mes peaux. Oui, oui, moi, je suis quelqu'un... Donc, il y a une nature, un tempérament. Exactement. Et lorsque vous étiez petite, alors toutes les deux, est-ce que vous avez l'impression que vous étiez comme vos enfants, Marine ? Pas autant. J'étais anxieuse, je voulais bien faire, je voulais faire plaisir à mes parents, je détestais les conflits. J'ai 2 grandes sœurs qui étaient plus âgées que moi, et donc quand il y avait des conflits à leur adolescence, j'allais me cacher dans ma chambre. Voilà, donc j'étais anxieuse, mais pas autant qu'Adrien. Et vous alors, Cindy, est-ce que vous étiez justement anxieuse? Est-ce que vous détestiez les conflits, tout comme votre fille? J'ai pas le souvenir d'avoir été anxieuse en étant plus petite. Je pense qu'un peu comme tout le monde, on n'aime pas, on déteste les conflits. Hein. C'est vrai que moi, pareil, je détestais les conflits. Mais non, pas de souvenir d'anxiété étant plus jeune. Et alors, Cindy, est-ce que vous avez mis des choses en place? Est-ce que vous avez testé des choses, ou est-ce que vous comptez en tester? Alors, on compte en tester et on en teste. C'est vrai qu'avec Méline et mon conjoint, on discute énormément, on échange beaucoup avec elle. On l'a fait beaucoup participer à la grossesse, donc on l'a fait choisir les vêtements du bébé. Mettre les petites décorations en place, effectivement, pour qu'elle ne se sente pas mise de côté et rejetée. J'ai l'impression que votre grossesse a appuyé encore plus. Oui, j'ai l'impression que la grossesse, effectivement, elle est restée 5 ans quand même fille unique. Donc, effectivement, je pense qu'elle se pose des questions sur le fait qu'il y ait une petite arrivée nouvelle. Ça l'inquiète effectivement beaucoup. Elle se demande si sa vie va changer. Tout à fait. Marine, qu'est-ce que vous avez mis en place pour apaiser les angoisses de votre fils? Vous continuez déjà à consulter un pédopsy? Oui, de façon ponctuelle, mais oui. Tout petit, sur le chemin de l'école, c'était des exercices de respiration. Quand tu expires, tu essaies de faire sortir tout ce qu'il y a de négatif. Négatif. Ça, c'est un exercice de sophro. Voilà, on a fait de la sophro après un petit peu. On a tenté l'homéopathie. Voilà. Et ça, il y a des choses qui ont marché plus que d'autres? Bon. Sur le moment, ça fonctionne, j'ai l'impression un petit peu, mais en fait, il y aura toujours une nouvelle angoisse, donc je ne vais pas le mettre sous anxiolytique quand même. Donc pour l'instant, on reste sur des petites professeur choses. On reste sur des. Voilà, on essaie de travailler au quotidien et beaucoup de discussions, puisque maintenant il est assez grand pour extérioriser ce qui ne va pas, donc il nous le dit quand il est angoissé. À quel moment on consulte, professeur, alors?
quand justement ça déborde, hein, quand c'est insupportable et quand ça fait souffrance. Mais encore une fois, c'est très bien tout ce que vous dites de raconter des histoires. On voit bien d'ailleurs les histoires qu'on raconte aux enfants. Le petit les poussé, contes, oui. C'est des angoisses d'abandon. Le petit chaperon rouge, il se fait manger. Enfin, on voit bien que la peur, elle infiltre hein, toutes c'est fait histoires. Exprès alors, justement, oui. Que Bambi ait perdu sa maman et tout ça. Parce qu'on a toujours du mal en tant que parent à lire des histoires horribles comme ça. Mais c'est des histoires horribles, mais en même temps des expériences de vie. Et c'est important que justement l'enfant puisse les entendre et que pour autant il n'en soit pas envahi et terrorisé. C'est d'ailleurs. Quand on leur raconte une histoire, ils aiment bien qu'on raconte toujours la même parce qu'ils connaissent la fin. C'est-à-dire qu'ils ont besoin un petit peu de maîtriser les choses, un petit peu de comprendre et de savoir comment ça va finir. C'est pour ça qu'ils aiment jouer avec des monstres, avec des dinosaures. Exactement. Alors souvent, ils prennent le tyrannosaure. Hein. On voit bien le plus fort. Comme ça, au moins, ils sont du côté de celui qui va maîtriser les choses. Mais on voit bien que jouer, raconter, parler, échanger, permettre à l'enfant de dire ce qu'il ressent, tout ce que vous faites là, c'est vraiment important pour... Ben voilà, faire en sorte qu'il surmonte une anxiété et que ça ne devienne pas gênant dans sa vie de tous les jours avec ses petits copains ou à l'école. C'est vraiment important. Marine, vous devez constamment le rassurer. Tout le temps. C'est-à-dire que tous les jours, vous essayez de trouver des nouvelles astuces pour l'accompagner. Oui, parce qu'il a 10 ans, donc ce ne sont plus les mêmes angoisses que quand il était tout petit. Il n'a plus peur du carnaval. Maintenant, il a peur d'avoir des mauvaises notes. Alors, c'est un excellent élève, c'est un enfant qui est brillant. Mais le mardi matin, c'est la dictée. Alors, c'est l'angoisse sur le chemin de l'école. Le truc, l'école n'est pas adaptée, justement, aux angoisses qu'il a. Disons que j'étais même obligée de demander à la maîtresse de lui expliquer que si, c'était son travail de lui apprendre des choses et que s'il savait tout faire, elle ne servait à rien. Donc, on en a discuté pour qu'elle lui fasse comprendre qu'il était à l'école pour apprendre, qu'il avait le droit de se tromper et qu'on a le droit de se tromper. Et c'est en se trompant qu'on avance aussi et qu'on apprend. Voilà, essayer de trouver en fait ce qui va bien plutôt que de pointer ce qui va pas. Je positive tout, j'essaie de le rassurer tout le temps. Je dis, tu vois, là, dans ta dictée, tu as fait cette faute-là, mais à côté de ça, c'était très bien au niveau des accords. Voilà, tout le temps. Je suis tout le temps en train de dire à mon fils, mais c'est bien ce que tu fais. Vous avez l'impression que ça marche quand même, qu'il va mieux? Oui. Maintenant, oui, ça vient. Il y a toujours des moments un peu compliqués, mais il appelle ça son sac à dos de ses angoisses. Et il y a des petits cailloux dedans qu'il enlève et qui reviennent. Voilà. Mais comme on peut en discuter, maintenant, j'ai l'impression qu'il va bien. J'ai eu peur à un moment que ce soit malheureux, soit un enfant malheureux quand il était plus petit. Parce que justement, il ne pouvait pas dire ce qui n'allait pas. Là, maintenant qu'il arrive à le dire, franchement, je pense qu'il va bien. Au moins, vous avez de la matière, justement, pour l'accompagner. Voilà. Professeur, est-ce qu'un enfant anxieux, ça fait forcément un adulte anxieux après ? Non, pas forcément. Et c'est une très belle image, le sac à dos. Il peut retirer ses cailloux petit à petit et progressivement, oui, il restera toujours une anxiété de fond, mais ça ne fera pas forcément un adulte pétri d'angoisse et mal dans sa peau. Sûrement qu'en effet, l'anxiété, on s'en débarrasse jamais. L'important, c'est que ça ne le fasse pas souffrir et que ça puisse justement lui permettre de réussir sa scolarité, de rassurer sa maman. Ce qui est important, c'est que finalement, ce ne soit pas tout le temps vous qui deviez le rassurer, c'est que lui, il arrive à se rassurer, qu'il puisse se passer de vous, et puis que finalement, ben voilà, il a une mauvaise note, mais ce n'est pas grave, la prochaine fois, ça ira, etc. Il fait une faute, c'est pas grave. Voilà, mais qu'il se rassure lui-même. Mais c'est ce que vous disiez, petit à petit, il va enlever ses cailloux. Et parmi ce que vous conseillez, donc, il y a effectivement les contes, les histoires. Voilà, les histoires, les contes, l'échange. Hein, de pouvoir dire ce qu'on ressent. Ça, c'est très important. Sinon, en effet, on reste enquisté dans quelque chose qui fait souffrance. C'est vraiment important que l'enfant puisse se sentir dans de bonnes conditions pour parler de ce qu'il vit. Ça, c'est vraiment très important et qu'il partage ça avec ses parents. C'est comme ça qu'il va se débarrasser, qu'il va se relâcher, qu'il va se détendre. Parce que c'est ça, hein, qui va se détendre et qui va affronter la vie dans les meilleures conditions. Avec des mamans comme ça, hein, ils ne peuvent que affronter la vie dans de très bonnes conditions. Merci à toutes les deux d'être venues nous parler de vos enfants ce matin. On va accueillir Marie Perarnaud qui va relayer pour vous les questions qui arrivent sur les réseaux sociaux. Évidemment, on ne sait jamais où est le curseur. Donc c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions en tant que parents. On se demande si l'enfant est anxieux ou pas. Donc j'imagine que ça... Plein de réactions. Oui, Mélanie sur Twitter nous dit, est-ce que l'anxiété est quelque chose qui se développe ou est-ce un trait de caractère? Est-ce qu'il y a de l'inné? Est-ce qu'il y a de l'acquis ou des événements particuliers qui font qu'on devient anxieux? Oh, c'est très difficile de dire quelle est la part de l'inné, de la part de l'acquis. Il y a toujours en effet une part génétique, une part de nature, je dirais. Hein. Et on voit bien dans les familles, hein, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Mais il y a aussi tous les événements de vie, hein, les départs d'un papa, les ruptures conjugales, etc. Il y a une partie d'inné, il y a une partie d'acquis. Mais ce n'est pas que la nature ou que la culture, c'est vraiment une intrication des deux.
Maman de Wistiti sur Twitter nous dit « Mon fils de 3 ans ritualise beaucoup sa vie, mais quand un repère disparaît, ça peut être une affiche dans la rue qu'il ne croise plus le matin, il le vit très mal. » Est-ce qu'il faut laisser faire des comportements comme ça ou justement expliquer ou accompagner l'enfant ? Il faut accompagner l'enfant. Les rituels, on voit bien, c'est une manière de contrôler, hein. Si on fait toujours pareil, c'est rassurant. Il faut pouvoir se rassurer sans avoir besoin de contrôler tout. Sinon, c'est insupportable. Donc, attention, pas trop de rituels. Pas trop de rituels. Non, finalement. Pas trop. Delphine, ma fille de 8 ans, a des comportements anxieux et elle est lente en lecture et en écriture à l'école. Est-ce que les deux peuvent être liés? Et si oui, comment l'aider? Mais c'est souvent la peur de mal faire, hein, la peur de décevoir. Et donc, il faut jouer des erreurs. Vous l'avez très bien dit, hein, c'est en tombant qu'on apprend à marcher. C'est pas grave une erreur. Hein. Peut-être même on peut en rire, et c'est une manière de dépasser l'angoisse. Donc attention de ne pas être dans un souci de perfection qui va faire qu'on va être malheureux. Parce que ça n'existe pas la perfection. Non. C'est bien d'ailleurs que ça n'existe pas. Heureusement. On ennuierait un peu. Hein. Heureusement. Laurette, ma fille de 9 ans est anxieuse. Elle s'inquiète pour notre famille. Elle se ronge les ongles. J'étais comme ça. Vous disiez que ça pouvait être héréditaire. Est-ce qu'une thérapie peut être bénéfique dans ces cas-là quand vraiment on a un enfant qui s'angoisse beaucoup? Est-ce qu'elle doit être familiale, cette thérapie? Non, pas forcément, si elle ne gêne pas les parents. En revanche, quand ça déborde, ça rejoint votre question de tout à l'heure, il ne faut pas forcément attendre qu'en effet ce soit plus gérable et que ce soit insupportable, ça déteigne un peu sur le sommeil, l'alimentation, les... Voilà. Là, il ne faut pas tarder à consulter pour au moins avoir une évaluation, un avis, où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est gérable, c'est vivable, ou est-ce qu'au contraire, là, ça pourrit la vie, comme disent les enfants. Hein. C'est... Mais par exemple, un enfant qui se ronge les ongles, c'est vrai que c'est assez répandu, mais quand il est très petit, là on se pose des questions, non? Oui, c'est pas forcément... C'est pas anodin. Non, c'est pas anodin, je crois. C'est surtout si en plus, il y a plein d'autres signes. Juste se ronger les ongles, c'est pas forcément problématique, mais quand en plus, il y a des troubles du sommeil, il y a des difficultés à l'école, là vraiment, quand ça envahit la vie de tous les jours, là il faut consulter. Aurélie, d'ailleurs, il y en a eu pas mal de questions à ce sujet sur les tics et les tocs. Depuis quelques semaines, mon fils de 5 ans se touche le visage, tire son t-shirt, se touche les oreilles à chaque fois qu'il est stressé ou qu'il joue avec quelqu'un. Comment puis-je l'aider quand on a un enfant qui refait ce geste? On parle des tics des enfants. Là, on voit bien comment l'angoisse, ça peut s'organiser dans quelque chose qui peut devenir pathologique. Mmh. Les phobies, c'est des peurs. Mmh. Les tocs, ce sont des manières un peu de contrôler l'angoisse, hein, ou de l'éviter. Et que là, il faut consulter, parce que c'est vrai que ça montre que l'enfant est débordé. Il ne parvient plus et que c'est quelque chose qui le déborde trop. Là, il faut une aide extérieure. Là, il faut consulter. Là, il faut évaluer et puis l'aider justement à dédramatiser tout ça et puis à ne pas s'enquister dans des comportements qui pourraient être pathologiques. Les phobies, les tocs, les somatisations qui sont comme ça quotidiennes, ça, ça peut être problématique. Laetitia nous explique que sa fille est précoce, elle a bientôt 8 ans, elle pleure d'angoisse le matin avant d'aller à l'école, elle va 5 fois aux toilettes. Elle est pourtant suivie par le psy scolaire et prend de l'homéopathie. Que faire de plus? Et est-ce que c'est fréquent chez les enfants précoces, justement, cette anxiété? Oui, parce qu'il y a des angoisses de performance. Hein. Faut toujours être au top, comme ils disent, hein, et dans quelque chose qui est une contrainte, finalement. Hein. Ouais, c'est parce que nous, on leur a posé une étiquette aussi. Alors, en plus, on vient justement valider le fait qu'ils sont précoces. Donc, ça les enferme, je dirais, dans une position. Ils doivent continuer à être ce que l'on nomme. Et ça, c'est embêtant, en effet. Faut éviter de mettre des étiquettes. Faut éviter de coller les enfants, je dirais, dans une façon d'être qui peut encore évoluer. Hein. Quand on est petit, on grandit. Faut être attentif de ne pas trop stigmatiser rapidement les enfants. Attention. Et Célia, mon fils de 4 ans a une vraie angoisse de la mort. Il a peur de rester seul. Cela le stresse au quotidien. Comment on aide un enfant qui a une angoisse de la mort plutôt qu'une peur de la mort? C'est ça. Ça servent les contes, hein, les histoires, justement, de dédramatiser la mort. La mort, ça... C'est une angoisse qu'on a tous. En fonction de l'âge, évidemment, on ne la vit pas, on ne met pas les mêmes mots. Mais c'est une angoisse qu'on a tous. L'idée, c'est justement peut-être de pouvoir partager ça quand on voit des choses à la télé, quand on lit une histoire, quand on lit un conte, de pouvoir en parler sans que ce soit un drame qui peut survenir à tout moment. Faut pas avoir peur de parler de la mort. Faut pas en parler tout le temps, hein, évidemment, sinon ça devient inquiétant. Mais faut
la peur du la mort d'un voisin, la mort de quelqu'un de célèbre. C'est important de pouvoir en parler. Je me rappelle de cette petite fille qui avait été très, très angoissée par la mort d'un clown. C'était Achille Zavatta. Mmh. Et elle avait entendu que ça pouvait faire une étoile de plus dans le ciel. Hein. Elle avait trouvé une solution. Ben, l'idée, c'est qu'il faut aider les enfants à trouver des solutions à cette question sans réponse, qu'est la mort. Mmh. C'est compliqué. On en a tous, d'ailleurs, même adultes. On se construit tous quelque chose. Mais bien sûr. Merci mille fois, professeur, nous avoir éclairé, rassuré, déculpabilisé, oui. Comme chaque fois que vous venez. Oui. Merci beaucoup encore. Et puis, vous le savez, on a besoin de vous. Vous avez peut-être aussi un peu besoin de nous. Votre enfant est asthmatique ou souffre d'allergies respiratoires. Venez témoigner dans la maison des maternelles. Comment ce problème a-t-il été diagnostiqué? Comment est-il soigné au quotidien? Venez nous en parler. Et puis, votre bébé a été soigné ou bien il a été opéré in utero. Comment s'est passée cette prise en charge pendant la grossesse et puis à l'accouchement aussi après? Venez nous raconter votre histoire. Tout de suite, c'est l'heure de pratiquer. Et pour pratiquer, on va pratiquer parce que Karim est là. Bah oui. Karim qui va nous apprendre des exercices parfaits si vous êtes enceinte du troisième trimestre. Mais pour l'heure, on est très nombreux à avoir investi dans un coussin de grossesse et d'allaitement. Comment en faire le meilleur usage? Comment le placer pour soulager les petites douleurs qu'on peut avoir? C'est ce que nous explique Afida Ansel, notre sage-femme préférée. Aujourd'hui, nous allons parler du coussin de maternité. Et pour cela, j'ai Fatma Zora qui est avec nous. Bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. Vous êtes enceinte de 8 mois et demi? Voilà, exactement. Et le coussin d'allaitement, c'est votre compagnon ou pas? Bah, surtout pour m'allonger un peu et soulager les douleurs du dos. Du dos? Oui, ouais, voilà. Très bien. Comment choisir votre coussin d'allaitement? Il faut qu'il soit ferme, non dur, mais ferme, et surtout malléable. D'accord. En fait, il faut qu'il ait plus la forme de votre corps parce que le but, c'est de vous caler et de vous soulager de toutes ces tensions que vous avez. Alors, bien sûr, le prendre en coton et surtout les micro-billes. Je vais vous montrer. Allez. Donc, comment l'utiliser quand on est assise devant sa télévision? Fatma Zora nous disait qu'elle avait mal au dos. Eh bien, ça sert à soulager. Mm-hmm. Donc, est-ce que vous êtes bien? Bah, là, c'est parfait. Eh bien, c'est parfait. Pourquoi? Parce que ça lui cale le dos. Et ça maintient au niveau du ventre. Mmh. Alors, une chose qui est importante, c'est aussi de relever un petit peu ses jambes, parce qu'il y aura moins d'étirements. Voilà. Alors, sans les croiser, même si vous avez vos bas de contention. C'est parce que ça coupe la circulation. Alors, est-ce que vous êtes bien positionné? Là, c'est très bien. Donc, maintenant, on va voir quand s'en servir de ce coussin d'allaitement dans le lit. D'accord? Alors, allez-y. Hop! Je vais faire de la gymnastique. Hein. Il y a les abdos. Alors, je vais vous montrer aussi une autre position qui soulage, surtout quand on a un peu les jambes lourdes ou quand on a un petit peu mal au bassin, parce que les ligaments ne sont pas que devant, malheureusement, ils sont un petit peu partout, puisque on est vraiment des ponts suspendus, en fait, à l'intérieur. Alors, vous allez soulever les jambes, aidez-moi à le tirer, et en fait, le mettre sous le fessier, voilà, et ça vous surélève un petit peu les jambes. On va le mettre un peu plus, c'est vraiment, c'est pas s'asseoir dessus, c'est le mettre juste là, et en fait, sous les cuisses. Vous êtes bien? Oui. Et sur les côtés, encore une fois, le fait d'être comme ça, bon déjà, ça vous soulage au niveau de vos cuisses et ça étire moins au niveau des ligaments, mais surtout, ça vous fait une petite bascule en arrière. Donc, au lieu d'être comme ça, vous êtes le dos arrondi, donc ça soutient le dos et ça remonte. Donc, vous êtes vraiment un petit peu positionné comme ça et ça tire moins, en fait. Je ne sais pas si vous le sentez. Très bien, c'est parfait. Vous êtes bien? Oui. Donc, maintenant, ce fameux coussin, on va l'utiliser, puisque vous êtes très sage, vous avez beaucoup travaillé, pour dormir. Il y a plusieurs positions, mais il y en a une qui est quand même sympathique, que j'aime bien, c'est sur le côté. De préférence sur le côté gauche, pourquoi? Parce que c'est là où on voit que la circulation entre la mère et le bébé se fait le mieux. Si vous n'aimez pas cette position, trouvez encore une fois naturellement votre position. Alors on va se mettre sur le côté. Gauche de préférence. Voilà. Hop. Très bien. On va plier les deux jambes. Mettre le coussin sous la nuque, positionnez-le à votre façon. Très bien. Alors le but, c'est vraiment de le mettre entre les jambes. Voilà. Il ne doit pas être loin de vous, puisque si vous remplacez votre mari par le coussin, autant qu'il soit plus proche de vous. Donc c'est vraiment le positionner. Hop, hop. Donc le bras, est-ce que vous êtes bien comme ça? Oui. Voilà. C'est comme si vous câlinez votre mari, mais ce n'est pas votre mari. C'est le coussin. C'est le coussin. Et en fait, le but, c'est vraiment de maintenir, de caler votre ventre et de caler au niveau de vos jambes. Et le fait d'être comme ça, ben ça détend le dos. Votre nuque doit être bien posée. Mm-hmm. Vous sentez, il n'y a pas de tension. Est-ce que vous sentez du bien? Parce que je vais vous regarder dormir maintenant.
Bah oui, je pense que là, je vais m'endormir. Alors, une chanson douce que me chantait ma maman. En prenant mon coussin, je m'endormais tendrement. C'est bon, ça. Mais elle finit d'être une folle. Dès qu'elle voit une personne maintenant adulte, elle croit que c'est un bébé. Bon, ça va pas mieux. Merci en tout cas à Fida qu'on va retrouver dans quelques minutes parce que donc là elle est en fou rire 2000 juste à côté et qui donc répondra à vos questions. En attendant, on accueille Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Aurélie, vous êtes enceinte de 8 mois. Oui. Alors le troisième trimestre, on le sait, c'est un moment un petit peu difficile. On est fatigué. Est-ce que vous étiez sportive déjà à la base? Vous faisiez quoi comme sport? Je courais. Ah, vous courez. Et là, vous avez arrêté? Oui. Malgré les recommandations de Karim? Oui, malgré, oui. Bon, après, c'est chacun, on le sent ou on le sent et pas. J'ai continué avec la marche. C'est bien. Bon, c'est bien. Vous écoutez, c'est vous qui décidez de ce que vous pouvez faire. L'essentiel, c'est de ne pas rester inactif. Alors, Karim, vous avez donc parlé des exercices à faire au premier trimestre, la semaine dernière, au deuxième trimestre. Là, on s'attaque donc aux exercices qu'on peut faire au troisième trimestre. Exactement, Agathe. Et on peut déjà faire de l'exercice au troisième trimestre, tout le monde. Voilà, c'est le moment où on va sauter, faire des choses. Non, on va pas faire les folles. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. Oui. On va pas faire les folles. Il y a plein d'exercices que vous pouvez continuer à faire au troisième trimestre. La marche, comme vous le disiez. Et des exercices qui vont vous préparer aussi pour l'accouchement. C'est ça qui change en fait, c'est qu'on doit un peu plus se préparer, penser exactement à l'issue. C'est exactement. Et puis le ventre un peu plus grand. Donc, on a beaucoup plus de difficultés à se mouvoir. L'idée, c'est de se poser, faire beaucoup d'exercices qui sont plutôt statiques et puis continuer à s'amuser. Alors, on va commencer par les pliés. Vous allez retrouver vos... Je vais me placer comme ça, vos habitudes de... danseuse classique, parce que ça se voit. Plié squat, les pieds sont ouverts un peu plus grands que la largeur des épaules ou les pieds vers l'extérieur. Attention, juste une recommandation, si vous souffrez de douleurs sacro-iliaques, c'est-à-dire au bas de la colonne, ne le faites pas. Vous faites des squats classiques contre le mur, par exemple. Allez, ici, vous allez descendre, levez-moi vos bras, gardez la tête droite, voilà, et on descend, on remonte. Allez, vous n'êtes pas obligé d'aller très bas. Gardez-moi les genoux. Quand vous êtes en bas, les genoux doivent être à 90 degrés. Ils ne vont pas au-dessus des orteils. Voilà, vous restez là, parfait. Et inspirez. Là, qu'est-ce qu'on cible, en fait? Qu'est-ce que ça fait de bien? Je ne sais pas. Vous vous sentez où? Les cuisses. Les cuisses. Vous avez les cuisses qui se musclent. On continue à travailler les jambes parce que vos jambes, ce sont les fondements vraiment de votre corps. Vous allez porter votre bébé. Il faut que vous soyez fort. Et en plus, allez-y encore, on ouvre le bassin. Vous voyez, le fait d'avoir cette ouverture-là va petit à petit vous préparer à... Oui, il faut mieux avoir des jambes quand vous allez appuyer sur les étriers, comme vous possédez. Vous allez comprendre qu'on ne pousse pas sur les étriers, mais il faut que vous ayez des jambes fortes pour pouvoir tonifier tout l'ensemble et pousser. Ça va, c'est pas trop difficile? Non, ça va. Bon, ça va. Alors après, là, je comprends pas, mais Karim va vous faire faire des pompes. Bonne chance. Non, là, vous faites une dizaine de répétitions, écoutez-vous. Vous pouvez faire une séance où vous ne faites pas pratiquement que cet exercice. D'accord. La séance suivante, vous faites l'exercice suivant. Les pompes contre le mur, j'adore cette idée. Ah oui, c'est contre le mur parce que là, je disais aussi. Contre le mur, vous ne le faites pas au sol parce qu'il y a le poids qui est beaucoup plus important. Oui. Ici, contre le mur, vous pouvez très facilement gérer la difficulté. Là, vous gérez la difficulté en reculant plus ou moins l'écart entre le mur et vos pieds. D'accord. Donc Aurélie est placée là, les mains en face de vous. Gainez. Ce que je veux, c'est que votre dos ne bouge pas. Protégez votre dos. Vous pliez les coudes. Vous descendez, voilà. Là, on fait travailler les bras. On fait travailler les triceps. N'oubliez pas que vous allez devoir porter ce bébé. Oui. Il faut muscler les bras. J'insiste encore et encore. Pour rendre l'exercice, pour Aurélie, c'est très facile. Pour rendre l'exercice un peu plus compliqué, sans reculer les jambes, vous tournez, vous rapprochez les coudes et vous descendez. Allez-y. Regardez, les coudes sont rapprochés. C'est un peu... Comment vous sentez? Ça veut plus dur. Voilà. Karim, le prochain exercice, c'est ouvrir le livre. Ouvrir le livre. Comme c'est poétique, ah ouais. Oui, le poète est de retour. Allez. Qui a dit qu'on faisait pas de littérature quand on faisait du sport? Exactement. C'est tout, je veux dire. Vous allez vous mettre. Vous avez vu comment s'allonger? Mais parce qu'elle regarde vos tutos, oui, Karim. Elle sait comment s'allonger, comment se relever. Voilà, juste là, une main sous la tête. Mettez-vous à l'aise, ici. Et on va... Vous joignez les talons, les pieds. Et vous ouvrez, vous relevez la cuisse qui est au-dessus et vous redescendez. Expirez en levant. Ça, on le fait combien de fois, Karim, alors? Une dizaine de fois. En fait, encore une fois, ça, autant de fois que vous le pouvez. Mm-hmm. Chacune a une endurance musculaire différente. D'accord. Allez-y doucement. N'hésitez pas à boire pendant vos exercices. Ouvrez. Là, on travaille sur le TFL, les muscles qui sont sur les côtés de la jambe et les adducteurs. Mm-hmm. Vous sentez? Ça travaille voilà. Bien, là, Aurélie, c'est ça plus ouvre, difficile. On lit le livre. Vous pouvez avoir un livre et le lire et faire travailler en même temps. N'oubliez pas de faire les deux côtés.
côté. Une dizaine de fois de chaque côté, c'est déjà pas mal. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est vrai que c'est assez doux parce que quand on est au troisième trimestre, je sais pas si vous avez ça, moi j'avais ça, on a le cœur qui bat plus vite. Oui. Moi, c'était vraiment. Du coup, les exercices qui sollicitent beaucoup le cardio, c'est. On va limiter. C'est un peu dur. Alors là, on va faire l'aigle qui déploie ses ailes. C'est un exercice qui est inspiré par la grande prêtresse Bernadette de Gaspet. De Gasquet, pas Gaspet. Oui. Et la meuf à Karim. J'adore. Oui. Qui m'a fait changer de look. Alors, cet exercice est très intéressant parce qu'il permet de muscler les abdominaux et là, vraiment de préparer à la poussée que vous allez faire pendant l'accouchement. Vous levez une jambe, vous la mettez, voilà, là. Avancez un tout petit peu, vous devez à l'aise. Parfait. Les mains. Là, les coudes tournés vers l'extérieur, vous voyez, les deux mains sont là. L'idée n'est pas de pousser contre la jambe, mais d'enfoncer la tête et le dos contre le sol sur l'expiration. L'expiration part du périnée, expirez, tout est fort ici, expirez, soufflez. Voilà, regardez le ventre qui s'enfonce. Cela, on travaille en profondeur. En profondeur, les transverses travaillent et vous travaillez et relâchez. Il y a cette tenue. Encore une fois, allez-y, expirez. Et ça, c'est vraiment l'expiration dans laquelle vous devrez être quand il faudra faire sortir le bébé. Et relâchez. Ça, vous faites ça 5-6 fois. L'essentiel, c'est d'être à l'aise, respirer amplement et ça ira. D'accord. Bébé va bien, là, il proteste pas, il donne pas de coup de pied. Alors, tout va bien. On va terminer avec la fausse inspiration thoracique. La fausse inspiration thoracique. S'il y avait un seul exercice à faire pendant toute votre grossesse, j'insiste et je réinsiste. Est-ce que j'ai dit que j'insistais ? Ce serait celui-là. Parce qu'il va vous permettre de lutter contre tous les désagréments qu'il y a pendant la grossesse. Alors, vous allez vous mettre à l'aise. Fausse inspiration thoracique, on va faire semblant d'inspirer, mais on ne fera pas entrer d'air. On l'a déjà fait dans un tuto. Allez, ce que vous faites, vous expirez. Soufflez par la bouche, vous imaginez que votre nombril va contre votre colonne, soufflez, vous avez vidé, et là vous bloquez l'air, vous pouvez soit là, et vous faites semblant d'expirer, inspirez, hop, tout remonte, et quand vous relâchez, voilà, et respirez tranquillement. Ça a l'air de rien, mais on muscle le périnée à fond, non? On muscle le périnée, on muscle les transverses, ça permet de lutter contre les constipations parce que cet exercice permet de masser les viscères. Vous savez que vous l'avez bien fait quand au moment où vous relâchez, vous êtes en train d'inspirer. Si vous êtes en train d'expirer pendant que vous êtes en train de le faire, ça veut dire que vous allez faire en train J'avais de déjà bien. Entendu que cet exercice était super, je l'ai fait pendant ma grossesse. Bien. Alors que je ne connaissais pas encore. Merci beaucoup Aurélie. Merci. Ça va, c'est doux, hein? Oui, c'est doux. Karim, il va falloir qu'on rejoigne nos amis parce que je pas crois que les réseaux sociaux mais vraiment explosent de questions pour vous. Merci beaucoup. Et Aurélie, surtout vous venez au courant de la suite de votre grossesse. Vous nous racontez votre accouchement sur ce canapé. Merci. Merci. Karim, venez avec moi. Oh, elle s'est bien levée. Oups. Ah là là. Et la Fida, ça va pas mieux hein, quand même. Ah oui. Pourquoi? Donc vous parlez, vous chantez des berceuses à des adultes. À des adultes. Mais non, mais c'est mignon. Cela dit, c'est un nouveau concept. Hein, pourquoi pas? C'est gentil, c'est tout. Alors Marie, des questions. Oui, une petite remarque de Boudier Bobet ce matin. Karim, la barbe est moins soignée. Je pose ça là. Eh ben, changement d'air. Il y a des gens qui font attention à votre petit look, donc merci de nous envoyer vos commentaires. C'est vraiment, on aime ça. Ça met en confiance. Dès le début, merci. C'était gratuit. Elle n'aurait pas une question pour que je non, lui c'est parce que, Fanny... Non, mais c'est parce qu'on a changé d'heure, donc oui, il n'a pas eu le temps de cela. C'est ce que j'ai expliqué. Il a préféré faire son petit gainage. Je suis enceinte de jumeaux, nous dit Fanny. J'ai un peu peur de faire ces mouvements. Sont-ils sans risque? Ou puis-je les faire plutôt dans l'eau? Tout va bien pour le moment, si ce n'est ma lourdeur. La lourdeur, c'est pour la bonne cause. Bonjour Fanny. Ces exercices sont absolument sans risque. Tous les exercices que nous faisons ici sont choisis pour cela. Vous pouvez les faire à tout moment de votre grossesse. Surtout les exercices du dernier trimestre. Vous pouvez les faire au premier trimestre, vous pouvez les faire au deuxième trimestre. Mais l'idée de les faire dans l'eau, non. Les pliés squats, vous pouvez les faire dans l'eau, évidemment, parce que la résistance vous aide. Mais je ne vous conseille pas de faire des pompes dans l'eau. On le fait souvent en bord de piscine. Mais l'eau risque d'ajouter de la pression sur votre colonne vertébrale. Faut pas. Donc, vous ne le faites pas. Et les exercices allongés, bon, ouais, on ne va pas faire de l'apnée. On a une question de Julie pour vous, Afida. Quelle est la longueur et l'épaisseur idéale pour un coussin? Et quel est le rembourrage le plus adéquat pour moi et mon bébé?
longueur. Vous fabriquez son coussin d'allaitement elle-même. Ils ont tous la même longueur. Si vous êtes Mimi. Non, non. Ah bon, Mimi Mathy et Claudia Schiffer n'auront pas la même taille. Oh, les références. Ah, oh là là. Dans les années 80. Allez, le cliché. Vous êtes des casseurs aujourd'hui. Hein. Je pars chez moi. Allez, allez. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la taille, il faut que vous la choisissiez comme on choisit une robe. Hein. Déjà, la couleur est ultra lala. Et en fait, vous prenez le coussin qui. Vous mesurez de la tête au genou. D'accord. Pour avoir un coussin. Alors, puisque je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui attendent des jumeaux aussi, sachez que si, parce que c'est le coussin de grossesse qui devient coussin d'allaitement, pour l'allaitement, vous pouvez l'utiliser pour les jumeaux et il faut qu'il fasse le tour en fait de votre taille de façon à ce qu'on puisse. Quand on est jumellaire, oui. Mais sinon, vous faites attention à votre taille et ça, parce qu'il y en a de 1m20 jusqu'à 2m. Donc ne prenez pas un 2m si vous faites 1m40. Oui, parce que notre poupée ressemble à Chucky. Elle pourrait vraiment être l'héroïne d'un film d'horreur. Elle est hyper flippante. Bah, le pédiatre qui était là m'a dit qu'elle était très mignonne. Ah, bah oui. Bah oui, parce que le pédiatre, à mon avis, il en pense pour pas grave, Simone. C'est bizarre. Larisse, Marie. Et on a eu beaucoup de questions sur l'eau aujourd'hui. Puis-je pratiquer de l'aquabiking enceinte, même au troisième trimestre? Ah oui, oui. À fond. J'ai fait des tutos sur l'aquabiking. Ouais. Faites-en. C'est vraiment un exercice safe qui permet de protéger vos articulations et vous permet de continuer d'entretenir. Oui, exactement. L'eau soulage et ça permet d'entretenir le système cardiovasculaire puisqu'on a de plus en plus de mal à respirer. Faites-en autant que vous pouvez, même jusqu'au dernier jour de grossesse si vous en êtes capable. On accouche bien dans l'eau. Hein, donc, Sophia demande si elle peut faire dormir son bébé sur le coussin d'allaitement. Ah, vous voyez, Simone, on va rajouter parce qu'il m'a bougé. Alors, dormir, non. Hein, mais faire des micro-siestes, on peut servir d'un coussin d'allaitement comme un transat de premier âge, c'est-à-dire quand le bébé est tout petit. Mais bien sûr, toujours avec surveillance. Hein, il ne faut pas mettre votre bébé et puis aller à l'autre bout de la terre. Donc, toujours exagéré, Afila. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous en servir de transat. Pour une micro-sieste, pour une petite sieste, vous êtes sur le canapé, votre bébé est à côté de vous, vous êtes allongé, vous le voyez. Il est un peu remonté. En proclive, tout à fait. Pour après un biberon, c'est très, très bien. Mais Marianne demande si on peut l'emmener à la maternité ou est-ce qu'il en ont à disposition. Oui. Alors, il y en a à disposition, mais il n'y en a pas une quantité massive. Donc, pas toutes les tailles, puisque vous disiez qu'il y avait des tailles tout à l'heure. Alors, on a une taille standard, c'est celle de 2 mètres dans les hôpitaux. Mais autant, puisque vous l'avez acheté, autant que vous l'emmeniez. Il vous a servi pendant votre grossesse. Prenez-le pour l'allaitement. Si vous avez une césarienne, on s'en servira aussi pour l'allaitement. Si vous donnez le biberon aussi, on s'en servira. Donc, prenez. Ouais. En parlant de beau, c'est bien d'acheter 2 ou 3 housses de façon à, quand on l'achète, puisqu'on a, on l'a dit dans le tuto, certes, mais c'est bien d'avoir des rechanges surtout, et surtout qu'ils soient lavables entre 30 et 60 degrés. 60 degrés parce que s'il y a des poux, mais laisse-moi. Alors, on la mettra pas dans les bébés du jour du générique, celle-là. Bien. Elle est trop mignonne. Non, elle est pas mignonne, on ne peut quand même pas mentir. On l'aime bien, mais elle n'est pas mignonne. Donc, maternité, oui. Emmenez-le si vous en avez un. C'est l'agenda, Benjamin. Si vous habitez dans les Yvelines, l'association Parents en Vie organise une conférence demain à Port-Marly sur un sujet qui nous est cher dans cette émission, nos enfants et les écrans. Quel est leur impact sur l'attention, la sociabilisation? Quels sont les risques d'une surconsommation? Vous pourrez poser toutes les questions à une psychologue qui sera là pour échanger, débattre demain donc à Port-Marly. Et puis si vous êtes des parents connectés, voilà une astuce qui devrait vous plaire. Si vous perdez souvent le doudou ou le jouet préféré de votre enfant, vous pouvez utiliser ces étiquettes que Benjamin tient en ce moment même, qui s'appellent les étiquettes Kikila. Voilà, alors le principe, c'est que vous placez l'étiquette sur le doudou, le nounours, le sac à dos, etc. Et puis sur chaque étiquette, il y a un code unique qui est relié à votre numéro de téléphone. Donc si une personne retrouve l'objet, il n'a qu'à taper le code sur le site de Kikila et vous allez recevoir un texto qui vous indique que l'objet perdu a été retrouvé. Ça coûte 18 euros le kit. On met les infos sur notre site si ça vous intéresse. Et on termine avec des livres CD chez Gléda Jeunesse. Écoutez cette voix. Je vais te raconter Robin des Bois. C'est Marlène. Pour suivre sur ton livre, Marlène Joubert, suffit de grand classique, on ne se lasse pas de ces belles histoires racontées par Marlène Joubert. Il y a par exemple ici Robin des Bois, que des classiques, Ali Baba et les Joubert. Joubert. J'ai dit qui? Joubert. C'était le patineur. Ça c'est européen aussi. Ou Thomas Joubert qu'on embrasse. Bon bref, les références. Qu'est-ce que je disais? Bon bref, vous avez compris l'idée quoi. Marlène Joubert raconte. Marlène Hallyday, donc là qui dit la princesse au petit bois, Ali Baba et les 40 voleurs, la petite sirène, c'est chez Gléda Jeunesse, ça vaut le coup. Les histoires sont très courtes, ça dure à peine 20 minutes et il y a surtout un petit bruit qui indique aux enfants à quel moment vous pouvez tourner la page. Du coup, l'enfant peut suivre. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Est-ce que vous ne feriez pas une micro-sieste, Benjamin? Non, je ne sais pas. Le changement d'heure... C'est lui, là, il me perturbe. Là.
C'est une fille. La fille. Oh, fille. Oh. Bon, je crois qu'on va, on va s'arrêter là, hein, pour là le bien du PAF. Bon. Voilà, tout de suite. On va se retrouver demain en direct avec un sujet qui va vous intéresser. Comment, quand partir à la maternité? Ni trop tôt, ni trop tard, évidemment. On va se quitter, évidemment, avec les bébés du jour, dont Simone ne fait pas partie. À demain, 9h en direct.